L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. 24 petites habitudes qui peuvent avoir une influence massive sur votre vie. Buvez de l'eau au réveil. Boire un verre d'eau au réveil permet de rééquilibrer la balance hydrique et de booster les organes, et plus particulièrement le cerveau, pour être plus performant au cours de la journée. Faites votre lit le matin. Vous aurez déjà accompli la première tâche de la journée. Cela renforce l'idée que des petits détails comptent dans la vie. Divisez les grandes tâches complexes en petites tâches gérables et commencez par la première. Chaque matin, choisissez trois choses que vous devez accomplir pendant la journée pour la considérer comme réussie. Ensuite, concentrez toute votre énergie sur ces trois tâches avant de faire autre chose. Priorisez les tâches par ordre d'importance. Utilisez la matrice d'Eisenhower. Triez vos tâches quotidiennes dans l'une des possibilités suivantes. Urgent et important. Faites ces choses immédiatement. Important, mais pas urgent. Placez ces choses dans votre calendrier. Urgent, mais pas important. Déléguez ces choses à quelqu'un d'autre. Ni urgent, ni important. Éliminez ces choses. Si vous ne priorisez pas votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Lisez chaque jour, même juste une page. Lisez ce que vous aimez, jusqu'à ce que vous aimiez lire. Écoutez des podcasts ou des livres audio lorsque vous vous déplacez. Attendez quelques heures avant de répondre à un message gênant ou insultant. Vous serez plus serein pour y répondre calmement, sans éprouver des regrets. Parfois, vous l'aurez même oublié. Écrivez chaque jour, même juste une phrase. Mettez votre téléphone hors de portée pendant que vous travaillez. Supprimez les applications dont vous n'avez pas besoin. Donnez les vêtements que vous ne portez pas. Débarrassez-vous des affaires inutiles. Le meilleur moyen de procéder consiste à prendre l'objet en main et de se demander « Est-ce que cet objet me rend heureux ?» Si oui, gardez-le. Sinon, jetez-le ou offrez-le à celui qui en a besoin. Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Soyez actif ou pratiquer une activité physique, monter les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Utilisez la règle des 2 minutes. Si quelque chose vous prend moins de 2 minutes à faire, faites-le immédiatement. Dites non lorsque vous devez le dire. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps. Le problème est qu'ils en perdent énormément en disant oui à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Osez demander, car si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Arrivez toujours à l'heure. Être ponctuel est une belle qualité. Elle est le témoignage d'un respect élégant. Écoutez plus que vous parlez. Prenez l'habitude de tendre la main à vos vieux amis. Lorsque vous commencez à vous plaindre, pensez à 3 choses envers lesquelles vous êtes reconnaissant. De cette façon, vous oublierez rapidement vos soucis. Prenez une respiration profonde. Cela calme l'esprit et le corps. Pratiquez la règle des 5 secondes.
La prochaine fois que vous vous surprenez à dire ou pensez que vous aimeriez faire quelque chose, mais que vous étiez effrayé ou nerveux, comptez jusqu'à 5 et agissez. Ne cherchez pas à l'accomplir avec succès, mais à juste la faire. C'est le succès dans la procédure qui étend votre zone de confort. Faites chaque jour une chose qui vous rend heureux, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Dormez au moins 8 heures dans l'obscurité et le silence. Votre corps vous remerciera. Chaque nuit, avant d'aller vous coucher, notez votre journée. Posez-vous la question : quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui ? L'essentiel étant de pouvoir mesurer sa progression pour avoir envie de faire mieux. Parmi toutes ces habitudes, quelle est celle qui aura le plus d'impact dans votre vie future ? Commencez petit pour progresser et bâtir votre vie avec des habitudes positives.